Tu veux, non, s'il vous plaît. Un pito rouge. Rouge, doré, bleu. Rouge. C'est le meilleur. C'est vous qui le dites, hein. Mal au foie. C'est pas ma marque, je peux pas juger, là. 10,50. 10,50. Voilà, Marcel. Merci. Et bonne journée. Bien, j'ai fait mes études de médecine à partir de 1958 à Montpellier. Et bien, tout et pour tout, ça m'a fait faire 10 ans d'études. Les 6 ans de médecine générale, le stage interné et 3 ans de spécialité pour m'installer après mon service militaire, cardiologue, après avoir cherché un point de chute qui s'est avéré être la ville de Hyères. Bonjour. Bonjour, vous dauphiné ? 4. 5 et les 10. Merci. Voilà, allez, bonne journée. Bon, la médecine remplissait ma vie complètement. Je travaillais énormément, je commençais vers 7h du matin, je finissais vers 22h30. Je ne voyais pas très peu femmes et enfants. En dehors du tennis que nous adorions, nous avions très peu d'activités parallèles. Je gagnais bien ma vie autrefois. Je la gagne certainement actuellement moins bien, mais je la gagne quand même très correctement. Et ni moi ni ma femme n'avons jamais considéré que l'argent faisait tout dans la vie. Des rigides ou des souples ? Des souples. Des souples. Voilà, 21. Vous n'auriez pas un franc, des fois ? Ou même les deux, ça ira ? Un franc, oui. Oui ? Voilà. Alors, 20, 30 et les 50, ce sera moins lourd comme ça. Ouais, hop, tiens, il n'a pas voulu rester sûr. J'étais un notable, je crois que j'étais considéré un peu comme tel. Personnellement, j'ai jamais attaché trop d'importance. Par contre, c'est sûr que lorsque je me promenais en ville, au bout de quelques années d'installation, mes filles étaient très fières de voir que un peu partout sur les trottoirs, on me saluait. Ouais, donc me respecter certainement. Maintenant, ici à l'Alpe d'Huez, je crois que je ne suis plus un notable, je suis un commerçant comme d'autres, mais par contre j'ai des copains. Je suis un copain, je ne suis plus un notable. Alors Benson, j'en aurai que demain, j'ai que des légères actuellement. Denis, non. Denis ? Eh bien donc c'est que je suis un bout de stock, cher docteur. Je suis un bout de stock, qu'est-ce que vous faites d'autre ? J'ai que du léger aussi. Le bleu, là. Ah oui, c'est du léger, hein. Ça fait rien ? Ça vous fera moins mal ? Alors, attendez, la misère de merci. Voilà, 26,70. Merci. Alors, j'ai changé parce que je considérais que, à mon avis personnel, depuis les années 76-78, la médecine évoluait vers une modification de sa gestion sur le plan national et économique, et que cette évolution ne me convenait pas, tout simplement. J'ai un esprit forcené en tant que libéralisme, et l'évolution qui s'annonçait et qui a l'air de se confirmer actuellement fait que nous allons vers un dirigisme qui sera de plus en plus autoritaire. Et c'était pas cette médecine-là que je voulais faire. Bonjour. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Deux, quatre, 14,50, les deux sont de trop, ne vous inquiétez pas. Hein. 15 et les 20. Voilà. Merci. Au revoir. Mais est-ce que des bruits ont couru sur vous ? Quoi donc ? Est-ce que des bruits ont couru sur vous, ailleurs ? J'ai su que sur hier, même ici, des bruits avaient couru concernant éventuellement les raisons de mon départ, sur ma vie privée, sur ma vie professionnelle. Je crois que ça, on ne peut pas l'éviter. Il faut se mettre des œillères et laisser passer le temps. Ils ont raconté que j'avais eu des problèmes d'ordre professionnel, éventuellement, des clients mécontents qui avaient fait des procès, que j'avais été éventuellement sanctionné par la sécurité sociale, ce qui est faux, que j'avais eu des problèmes dans ma vie privée, avec ma femme, des tas de choses. Mais aucune n'était vraie. Vous avez prêté la stylo ? Oui, bien sûr, je vous prête le stylo. Merci. Voilà, Arlette va venir. Pour gérer un tabac presse, je pense qu'il faut moins de matière grise que pour faire de la cardiologie.
Mais il en faut quand même suffisamment dans le contexte économique actuel pour ne pas faire de bêtises et pour avoir une gestion extrêmement serrée qui fasse qu'en fin de saison, on se retrouve quand même d'aplomb. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a une différence fondamentale. La matière grise est essentielle en cardiologie. Dans le commerce, ce sont les capitaux. Hein. Les investissements remplacent la matière grise. Deux Marlboro et un tenant, s'il vous plaît. Deux Marlboro. Et un thème. Que voler également. Alors, il arrive que, amicalement, sur certains symptômes, on me demande des conseils amicaux. Et même, il peut arriver qu'on me demande quelques conseils, disons, d'ordre confraternel également, en matière de cardiologie. Ça ne me gêne pas de vendre du tabac en tant qu'ancien cardiologue, vu que être cardiologue pour moi c'est quand même du passé. Maintenant je suis un commerçant comme d'autres. Hein.